Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve chez le Doc 24, à la baraque du Doc. Donc autant vous dire que la maison a été revendue, donc je vous montre immédiatement. Voilà, donc ils ont tout dégagé, ils ont balayé dans la maison et tout. Donc autant vous dire que je vais essayer de contacter... Wesh. Ah, attendez, excusez-moi. Je vais regarder sur le snap les frères parce que j'étais en train de vous parler. Je checkais à gauche, à droite avec la lampe, j'ai pas bien fait gaffe. Je vais mettre un filtre rouge en ma lampe. Ok. Putain. Il y avait bien quelque chose qui se tenait là, les rois, non? En vrai de vrai. Attendez, je vais fermer la putain de porte. Attendez. Donc lumière rouge parce que beaucoup d'habitations autour. Et que vu qu'ils ont dégagé la végétation, je veux pas me faire crier trop. Mais wesh. Bonsoir. Je m'appelle Tyler. Salam alaikum. Je viens en paix, bien sûr. Je suis déjà venu à plusieurs reprises dans le passé. Où j'ai pu constater certains événements, certaines choses. Donc ce soir, je suis venu pour parler avec vous, en fait. Je suis venu pour discuter avec vous. Putain. Vous avez entendu les ronds? Hein? J'ai cru entendre un bruit par là. Y'a quelqu'un? Je suis venu discuter, je sais pas avec qui, mais je sais que t'habites le lieu. Donc, si tu veux qu'on discute un petit peu ou quoi, tu me dis ce qui tu es. Regardez, ils ont même remis des planches et tout. Parce que ça commence à... Ouais, voilà, regarde. Ils ont ramené des chaises, des trucs déjà et tout. Putain, c'est chaud, un petit barbecue et tout ça. C'est insane. Putain, la vache. Donc, je viens de vérifier sur le snap, les Rouen, et en effet, il y a eu un gémissement qui venait du coup de la cave. D'ici, je ne saurais dire de où, précisément, mais ça venait du bas, hein, très clairement. Putain. Donc, si tu veux me parler, viens. Moi, j'ai besoin de réponse. Qui es-tu? Mais wesh, c'était quoi ça? Vous avez vu le visage? Oh putain, j'en ai perdu mon fils, les frères. Je vais le prendre après, bah les couilles. Wesh! Ah putain! Ça m'a volé ma putain de lampe. Ça m'a pris ma lampe. Attendez. Ma deuxième lampe. J'ai le deuxième bigo. What the fuck? Bismillahirrahmanirrahim. Rends-moi ma lampe, je rigole pas. Qui est là? J'ai trop peur qu'il y ait un humain, putain. C'est quoi ces conneries? Mais comment c'est possible? Mais comment? Comment? Putain, comment? Comment seulement? Bismillah la loi menahim, putain! Mais what? Mais comment c'est possible? J'ai plus de lampe, les Rouen. Putain! Non mais attendez, en vrai de vrai, comment c'est seulement possible? Tu vois ce que je veux dire? Le visage ici, wesh, c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! Bismillah la loi menahim! Faut que je récupère ma lampe.
Et écoute, je m'adresse à celui qui m'a pris ma lampe. Je sais pas qui tu es exactement ou ce que tu veux, mais je te conseille vivement de me rendre. Là-haut. Je rigole pas du tout, je te suggère de me rendre ma lampe et vite en fait. C'est l'endroit où Daki a vu. Putain de djinn ici, mec. Elle est là. Elle est là. Ah. Bismillah la Romelaim. Bismillah. Pourquoi t'as déposé le kéfier ici, si tu m'entends? C'est quoi la raison? Parle-moi. Si tu m'as fait venir ici, c'est pour une bonne raison. Je suis là, je t'écoute. Par Dieu, je suis protégé, je suis renforcé. Parle avec moi, je suis prêt à t'écouter. C'est là. Que je le prenne? Comment ça que je le prenne? Honnêtement, je vais être franc avec toi. Je sais pas qui tu es ou quel est ton nom. Mais j'ai pas trop envie de... Bien sûr, sous ton respect, hein, de toucher à tes affaires, très clairement, en fait. Où est-ce que t'es? Je t'entends, je te vois pas. T'es où? Comment tu t'appelles? Vous avez entendu la rouane? Je l'entends, je vois. Comment? Ra'an? Hein? Ra'an? On s'est déjà parlé, toi et moi. Non? Je connais ton nom, il m'est familier. Bismillah. Mais toi, qu'est-ce que tu es en fait exactement, Ra'an? Vous avez entendu ça, les Rouan? Ra'an. Hein? Ra'an, Ra'an. 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 Ah, il y a de la merde partout. Oh, les frères, il y a de la merde partout. Ah, il y a de la... Oh là 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 là, regardez-moi ça! Regardez-moi l'état de merde. Qu'est-ce que t'as? T'es un djinn? Est-ce que t'as un djinn? Qu'est-ce que t'es... En fait, si tu veux qu'on discute, il va falloir que tu fasses un pas vers moi. Ça va commencer par me dire exactement ce que tu es, en fait. Donc tu m'auras... Il a dit Ra'an Erwan. Je connais ton nom, en effet. Mais toi, qu'est-ce que t'es exactement, en fait? Oh, Anne. Bismillah, la Rahman.
unités en dehors de Dieu et sans associé. Regardez, il y a des tas de merde partout. Là. Oh putain. Il y a de la merde partout dans tous les coins. Ce fameux mur. Putain de merde. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre de plus, Ra'an, sur qui tu es? D'où tu viens? Pourquoi tu habites ce lieu, en fait? Dieu, j'ai juré, sa voix fait peur, Lerwan. Qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Pourquoi t'es dans cette maison? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton kéfier, là? Comment ça prend? Bismillahirrahmanirrahim. Comment ça prend? Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. À quoi ça sert? Pourquoi je dois le prendre? Donne-moi une raison convaincante parce que autrement je le prends pas. Je préfère te le dire tout de suite. 7. Où est-ce qu'il est, lui? Les frères, le mec, je l'entends. Donc en fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est toi qui as pris ma lampe déjà en bas? C'est qui si t'es pas toi déjà? Qui d'autre en fait, en vrai? L'un de ces vivres. L'un de ces... Hein? Quoi? Attends, mais... C'est quoi ça? C'est quoi, putain? En plus, je vous dis, les gars, ça sent vraiment, mais très très fort, la merde. Mais genre, vraiment, vraiment. Mais regardez les monticules. Là, là. Est-ce que j'ai vu de toi, là, la dernière fois? Est-ce que mon collègue a pu voir aussi? C'est ta forme? Ta vraie forme? Apparais-moi. Viens. Pourquoi j'emmène le kéfier alors? Bismillahirrahmanirrahim. Le gardien de ce lieu-là? D'ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu le sais? Il sert à quoi le kéfier, exactement? C'est une clé? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça te sert à... Attends, tu veux que j'emmène ça avec moi pour que tu puisses apparaître à des endroits où je me trouve? Qu'est-ce que je fais, les rois? Il y a des étoiles cheloues partout, regardez ça. C'est quoi ça? Ra'an, c'est ça? Mansoura. C'est qui? C'est quoi? Attends, j'en stresse, les gars. J'entends la voix tout proche de moi, je vois rien, je vous avouerai que. Mansoura! Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ou pas? Parle pas! Wesh. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche refuge auprès des paroles de Dieu contre tout mal de ces créatures. Je cherche refuge auprès de Dieu contre le mal banni. Donc en gros, le kéfier quoi? Je l'emmène avec moi et... Ça va t'aider à apparaître, c'est ça? Mais qu'est-ce que t'es toi en fait? Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu es exactement?
actuellement? Est-ce que tu es présent ou pas? C'est ça que je veux dire. Bismillah. Ça sent de plus en plus la merde, les rails, putain. Il y a du bruit tout autour de moi, putain. Vous savez quoi? Oula. Et le kéfier quoi? Je l'emmène avec moi et après quoi? Viens ici, pour le moment on discute. Viens me voir dans la pièce, on discute. Apparais si tu veux même. Apparais. Hein? Nulle divinité en dehors de Dieu et sans associé. Ra'an. Ok, t'as pris le kéfier et quoi d'autre maintenant? Bismillah, Ra'an. Tu veux que je le prenne le kéfier? Tu veux pas que je le prenne? Tu t'amuses? Ok, c'est bon, j'ai vu que t'étais capable de le prendre à volonté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais maintenant, explique-moi pourquoi tu te montres pas à moi directement. Mais Bismillah el Rahman el Rahim, comment c'est possible? Le kéfier, je vais le prendre par Dieu, je suis renforcé dans tous les cas. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais te nuire. Bismillah el Rahman el Rahim, Bismillah el Rahman el Rahim. Bismillah, la loi, Melahim. Nulle divinité en dehors de Dieu et sans associé. Mais où est-ce que tu te caches en fait? Ok, les rois, je l'ai pris. Attendez. Putain, je vous montre. Je l'ai pris, il est là. Je te préviens, t'as pas intérêt de tenter quoi que ce soit. Je te préviens. Vous avez vu comment il a répondu par rapport à Mansoura? Mansoura, ça te dit quelque chose? Mais je cherche refuge auprès des paroles de Dieu contre tout mal de ses créatures. Je cherche refuge auprès du de notre Seigneur contre le diable banni. Bismillah, la loi, Melaï. Vous avez entendu les putains de pas? Mec, t'as entendu les putains de pas? Mais what the fuck? Mais c'est quoi ces conneries? Nulle divinité en dehors de Dieu. Bismillah. Bismillah. Repasserai te voir, ou repasse me voir, Inch'Allah, si Dieu le veut. Putain, c'est quoi ce délire? Wesh. Oh, bismillah, Rahim. Mais vous avez vu, quoi? Mais vous avez vu, mais un seul Dieu, un seul créateur. Mais quoi? Là, si j'ai fait bismillah, Rahim. Aoudabillah. Je refuge dans les paroles de Dieu contre tout mal de ses créatures. Je cherche refuge auprès de Dieu contre le mal banni. Oh putain, tout le monde vite fait la maison, mais quelle baraque de dingue! Mais vous rendez compte, les rois? Vous vous rendez compte? Je me barre. Ra'an, il a dit. Hein. Il a bien dit Ra'an. Il a dit Ra'an. Ra'an.
sur Mansoua, c'était pas très clair les réponses. Je vous avouerai qu'avec la pression sur le moment, j'ai quasiment regardé aucun snap. Je vous cache pas. Il va falloir que je regarde tout à la maison, les gars. Oh putain, là, vous. Ah, vous êtes là. Donc, me v'là en voiture, les Rouen. Honnêtement, quelle exploration de malade mental. Ouais, je veux dire, il y a eu des délires de ouf. Bon, ce que vous ignorez aussi, c'est que on a eu pas mal de problèmes avec la Ouija, et en grande partie, les séances de Ouija qui ont été faites en off chez Vanakud, visiblement, ça a peut-être aussi un petit peu accentué le bordel, tu vois. C'est pour ça que la Ouija, j'ai totalement arrêté. On a totalement arrêté, en vrai, en réalité, plus aucun de nous quatre se sert de la Ouija, il en est hors de question. Mais attendez, les gars, au tout départ, on entend, hein, déjà début d'enquête, on voit quoi ? Cash par défaut, par la petite fenêtre, je vois une espèce de truc noir qui bouge. J'avais même pas fini de vous expliquer, les Juan, ce qu'on allait faire, ce que j'étais venu faire, que déjà ça gigotait dans l'espèce de petite pièce. On rentre, il n'y a rien, déjà ça commençait tout de suite. Donc ça m'a pas mis forcément très très en confiance, je te cache pas, surtout que cette forme-là... Donc en gros, vous avez même pas eu le temps d'écouter ce que j'avais à vous dire au sujet de... Qu'est-ce que j'étais venu faire ici? Que directement ça a gigoté, donc je vous explique maintenant. À la base, je voulais contacter l'entité des lieux. Et on est tombé sur qui? Sur Ra'an, carrément. Vous vous rendez compte ou pas? Parce que Ra'an, pour ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, qui suivent les explos et tout, en fait, Ra'an, c'est un nom qui est ressorti à plusieurs fois, que ça soit à travers la Ouija, que ça soit à travers la Spirit Box. Il y a eu énormément de références à ce nom-là, en fait. Et du coup, il n'a pas voulu dire ce qu'il était. Donc j'ignore si c'est un djinn en réalité, si c'est un ifrit ou si c'est un démon ou même un humain. Mais alors, le truc, c'est que dans tous les cas, il ne s'agit pas d'humain. Je veux dire, la capacité à se déplacer, à disparaître, à se fondre, c'est totalement mort en fait. On ne va pas se mentir, c'est mort. Aucun humain peut faire ça. C'est au-delà de des capacités physiques du corps humain. Donc il y a eu cette espèce de visage vachement étrange, parce que ça a quand même refusé de se montrer à moi. Ça me parlait, je voyais, j'entendais très clairement, je voyais rien en fait. Le délire du kéfier qui disparaît, qui réapparaît, tout, non, franchement, très insane. Le coup de la lampe dans le trou, le coup carrément du démon ou du djinn qu'on voit passer quand je... Non,